Et cette initiative originale des jeunes se sont lancés un défi, initier leurs aînés aux activités physiques, danse, marche nordique ou fitness. Toute la journée au parc de l'Orangerie de Strasbourg, des seniors ont pu découvrir des activités sportives indispensables pour rester en bonne santé. Des seniors entraînés par des étudiants de STAPS. Reportage David Marcelin et Vincent Roy. Est-ce que tout le monde en a déjà fait ? Un petit peu. Pour certains, c'était une première. Pour d'autres, un rendez-vous attendu avec impatience. C'est mieux que de rester dans son fauteuil à regarder la télé, hein, vous croyez pas ? J'ai eu des problèmes cardiaques, un quadruple pontage cardiaque il y a 2 ans, donc il faut que je fasse une activité physique, donc c'est complètement essentiel. Une journée sportive organisée par les étudiants en faculté des sciences du sport de Strasbourg pour inciter les seniors à pratiquer une activité physique. Les effets du vieillissement, donc c'est physiologique, donc on ne peut pas lutter contre, mais on peut prévenir ces troubles et lutter, on va dire, contre certaines pathologies qui parfois sont graves pour certaines personnes. Donc il y a un groupe de marche, un groupe de renforcement musculaire en marche nordique. Et pour lutter contre la sédentarité et ces pathologies, différents ateliers étaient proposés à ces seniors, dont certains venus d'EHPAD du département. Marche nordique, danse, fitness et bien d'autres activités encadrées par une trentaine d'étudiants. C'est une journée qui compte dans leur formation, qui prépare depuis le début de l'année, pour laquelle ils sont notés, pour laquelle ils élaborent tout du début à la fin. Donc ils partent de zéro et ils construisent tout l'événement pour aujourd'hui qui est le final. L'entendre dans le sol, ça doit taper. Énergique, on part sur le côté. Je viens tous les ans, depuis 4-5 ans que je suis à Strasbourg. Voilà. Et c'est sympa, il faut aider les jeunes, voilà, c'est des jeunes qui apprennent en plus, voilà, c'est bien. Malgré la chaleur, plus d'une centaine de seniors étaient présents aujourd'hui au parc de l'Orangerie. L'occasion également de faire des rencontres, d'échanger et après l'activité physique, de s'offrir un moment de détente.